Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, ça va être un livre un peu particulier, ça va faire partie de ma catégorie hors série. C'est un livre que j'ai trouvé chez Cultura, je crois, quand je m'ennuyais, j'avais plus rien à lire. Et je me suis dit, oh ouais, ça peut être sympa ça. Et au final, mais c'est tellement drôle, il s'agit de Mes chers voisins, qui est sorti dans la collection J'ai lu. Et alors, c'est pas vraiment un livre normal, on va dire. Parce que comme c'est spécifié ici, c'est plein de petites notes en fait que les voisins se laissent sur les portes les unes des autres. Par exemple ici, désolé pour le bruit mais j'ai le droit, je vais me faire larguer. Effectivement, voilà, c'est tous les mots d'excuses, tous les mots pour engueuler ses voisins qu'on peut laisser sur les portes, et franchement, mais c'est tellement marrant. Bon, effectivement, parfois ça vole pas très haut, genre ne pas stationner sous peine de baffe. J'ai pas dit que c'était très intelligent non plus. Mais voilà, c'est un petit livre qui fait bien rigoler. Quand on n'a pas trop de morale, bah ça peut aider, parce que des fois quand on se dit wow, comme aujourd'hui d'ailleurs, il fait très moche, hein. On n'a pas le moral, on est à moitié malade, on est en train de tousser tout ce qu'on fait dans son lit. Et bah avec ce genre de petit bouquin, ce qui est pas mal, c'est qu'en fait vous vous marrez. Attendez que je vous en trouve une marrante. Désolée, t'as pris du temps, mais bon. Bon, en fait, elles sont toutes un petit peu drôles, là, on va pas se mentir. Bon, c'est... Voilà, par exemple, ici, sur la vitrine d'un magasin, débranche ton alarme. C'est ce genre de petits trucs, en fait, si vous avez pas le... Ici, ce n'est pas un WC, c'est un placard, c'est le placard du tableau électrique, tu vois, ce qui est l'électrocution. Ce genre de petits trucs qui, moi, me fait beaucoup rire. Alors, quand vous le lisez en entier... Ah bah ça peut vous prendre peut-être qu'un quart d'heure, hein. C'est juste un quart d'heure. Mais ça vous fera beaucoup rire, ça vous fera oublier pour un temps ce que vous avez dans la tête. Donc ça c'est le tome 2, vous avez le tome 1 qui est tout aussi drôle. Et vous en avez un autre un petit peu dans le même genre. Mais alors là je suis désolée pour les adultes qui regardent et qui ont des enfants. Ou même qui sont pas trop SMS. Hein. En gros, je sais plus le titre exact, mais en gros ce sont les SMS que les parents peuvent envoyer à leurs enfants. Et des fois, il y en a certaines qui sont tellement drôles, je vous jure. Excusez-moi, si je pouvais m'en souvenir de certaines, parce que j'ai dans mon 3-3 derrière, et ou alors dans ma table de chevet, je sais plus. Mais c'est vrai que, enfin voilà, des fois c'est très drôle. Je suis désolée pour vous, je ne me moque absolument pas. C'est juste que parfois, je crois m'en souvenir d'une, c'est... Un fils qui sort à sa mère, attention, nous a signalé qu'un hippopotame s'est échappé du zoo, fais pas le con, on rentre. Et sa mère lui répond par SMS aussi, attention, nous a signalé qu'un singe s'est échappé du zoo, fais pas le con, rentre-toi. C'est ce genre de petit truc quoi, qui me fait beaucoup rire. Bon, je crois pas que c'était tout à fait ça, mais ben, c'est ce style-là. Et moi, ça me fait beaucoup rire. Voilà, c'est dit, c'est fait. Donc voilà, je sais que c'est une vidéo un peu courte, mais c'est un livre un peu particulier, donc j'ai le droit. En même temps, c'est moi qui décide. Voilà, c'est tout pour moi, je vous fais des gros bisous, et je vous dis à la prochaine, salut!